À Londres, pendant les festivités du jubilé de diamant de la reine, des visiteurs à cheval remontent jusqu'aux portes du palais de Buckingham. Devinez de qui il s'agit. Même la fanfare militaire n'a pu s'empêcher d'annoncer que les Mounties sont en ville. 15 officiers de la Gendarmerie royale du Canada sont descendus à cheval vers le palais de Buckingham pour une cérémonie ancestrale de la relève de la garde. La reine a personnellement invité la GRC afin de protéger l'entrée par laquelle la cérémonie aura eu lieu, et ce pendant 24 heures. Les voir descendre comme ça devant le palais de Buckingham fut un moment passionnant pour les membres de la GRC comme moi, mais également en tant que Canadien, en tant que Greg Peters, originaire de Surrey, Île-de-Prince-Édouard. Des Canadiens présents dans la foule ont aussi apprécié. J'ai ressenti une grande fierté en voyant la GRC. Ils se débrouillent si bien. Ils se sont beaucoup entraînés avec ces grands chevaux. Ils ont pratiqué la veille avec des chevaux londoniens et les critères étaient stricts. Nous ne sommes pas autorisés à sourire. On aime toujours sourire et parler aux gens. Mais là, pas de discussion. Ce n'est pas la première fois que la GRC captive Londres. La police montée du Nord-Ouest fut présente au jubilé de la reine Victoria en 1897. Ils avaient même un rôle cérémonial durant le couronnement royal. Mais ce qui est spectaculaire aujourd'hui, jamais auparavant une femme d'origine canadienne n'avait tenu la garde pour la reine pendant qu'elle était dans sa résidence de Londres. Dans la foule, l'ancien premier ministre de la Colombie-Britannique. Mon arrière-grand-père fut le premier fervent commissionnaire et le tout premier de la GRC, donc c'est un jour très excitant pour ma famille. Aujourd'hui, la gendarme Jennifer McRae de Prince George en Colombie-Britannique a fait l'histoire. Mais il n'y avait pas de trace d'un sourire et absolument pas un mot aux spectateurs.